Je saisis cette opportunité pour saluer le partenariat très fructueux qui lie le ministère de la Santé et l'UNFPA. Mesdames et messieurs, le projet que nous clôturons aujourd'hui, faut-il le rappeler, a été mis en œuvre par Population Media Center pour soutenir l'engagement du Burkina à améliorer les indicateurs en matière de bien-être des populations. Les objectifs de ce programme contribuent pleinement à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, pour lequel le gouvernement burkinabé et ses partenaires ont souscrit en vue d'améliorer la santé des mères et des enfants en particulier et des populations en général. Je commence par dire qu'on vient de clôturer un programme composé de deux drames, un drame en djoula qui s'appelle Eresira et l'autre Moré, Yamyankré. On a présenté quelques résultats, mais on a obtenu des bons résultats en termes de changement de comportement. La thématique principale, c'est l'élévation du taux de prévalence contraceptive. Nous avons aussi abordé des thématiques comme le VIH, la santé des adolescents, des jeunes, le lavage des mains, le moustiquaire immobilier. Voilà. Et donc nous avons utilisé une méthodologie qu'on appelle la méthodologie Sabine. En réalité, c'est une méthodologie qui a été élaboré par un réalisateur de la télévision mexicaine. Et lorsqu'elle est utilisée, elle permet d'obtenir un déclin de l'évolution de la population en un temps record. Et le Mexique l'a utilisé et en 1986, il a reçu le prix de population des Nations Unies. Et donc, c'est fort de ces résultats que le Fonds des Nations Unies pour la population a essayé d'appuyer le ministère de la Santé pour améliorer ces indicateurs. Nous avons 10 écrivains, 5 écrivains Morifoul et 5 écrivains Durafoul. Nous avons aussi des comédiens donc, qui sont des acteurs dans les deux langues. Je peux dire que ce sont des sentiments de... pas de tristesse, parce qu'on ne peut pas être triste avec ces résultats. Mais c'est une certaine faim, il y a un sentiment de faim, mais aussi d'espoir, parce que je suis presque sûre qu'on aura le suivi de ces projets. Grâce aux orientations et à l'impulsion du cadre de concertation des partenaires qui regroupent les différents départements ministériels et institutions concernées, un travail a été fait sur le terrain, comme le témoignent les différents résultats qui viennent d'être projetés. C'est donc dire, mesdames et messieurs, que les résultats auxquels nous sommes parvenus sont à saluer. Même s'ils ont pu être renforcés du moins par d'autres interventions, force est de reconnaître que ces résultats nous montrent que la stratégie utilisée par PMC a contribué à améliorer nos indicateurs au niveau national. La stratégie gagnerait donc, au regard de ce qui précède, à être poursuivie en vue de consolider et d'améliorer les résultats déjà acquis.